Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, avant que la vidéo ne commence, je t'invite tout de suite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification et ainsi de la partager. Et en plus, ça serait sympa si tu peux me laisser un petit commentaire pour le référencement. Bon, ça c'est fait. Aujourd'hui, je suis en compagnie avec de mes amis. Bon là, ils sont à l'extérieur. Mais on se dirige pour un petit road trip, pour un événement qui se tient demain, pour vous, dans quelques minutes, pour un événement qui a eu lieu l'année dernière, qui s'est tenu sur 2 jours. Malheureusement, cette année, c'est sur 1 jour. Vous avez compris, hein ? Paris, Belgique. Allez, je vais vous dire une chose. On se dirige en direction de la Belgique sur le circuit de Spa pour le brûleur de gomme 2024. Vous êtes prêts? Allez, je vous emmène avec moi pour mon road trip. A tout de suite. Heureux les amis, ça y est, on est arrivé à bon port. On est en Belgique et demain, direction le brûleur de gomme sur Spa. Franchement, la route a été plutôt sympa. J'ai pas voulu trop vous filmer pour pas gaspiller plus de bandes vidéo que ça. Mais bon, là, il y a un petit poteau là qui est en train de se mettre bien. Vous allez le reconnaître. Comment ça va? Oh, ben là. Merci aujourd'hui. Merci pour tout, pour l'organisation. De rien, mon gars. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour une vidéo. Ouais. Et demain, direction? Les brûleurs de gomme. Ça va être le feu. Les gros événements européens. C'est juste dommage que cette année, ça se tient pas sur 2 jours, juste sur 1 jour. Mais... l'année prochaine, c'est sûr l'année prochaine. Ça d'ailleurs, j'espère que tout le monde s'est bien tenu. Et que l'année prochaine, on aura 48 heures. Ouais, c'est juste dommage cette année. Après, à savoir, tu as eu l'opportunité d'avoir fait les 2 jours l'année dernière. C'est incroyable. Incroyable, hein? Ouais, c'est incroyable. Il y a pas... j'ai pas fait de trucs... pas officiels, tu vois, le Top Marque Monaco et tout, c'est des trucs de fou, tu vois ce que je veux dire. Mais là, vraiment, sur un circuit de F1 comme Spa, avec le Raidillon, tout, c'était incroyable, frère. Vraiment incroyable. En tout cas, je tenais aussi encore à te remercier. La fois, on a fait la vidéo pour la Clio, le Scarabée. Mais vous allez avoir une petite surprise que je vais vous filmer demain parce que monsieur va exposer son vrai petit joujou. Ouais. Le Shark. À demain. Comprendra qui pourra. Ciao, ciao. Ça y est, c'est le grand jour. Il est 7h05 du matin. Là, tout le monde se réveille tranquillement. C'est dur, hein? Et ouais, on se prépare tranquillement, ça va déjeuner pour certains. Et après on prend la route, direction le brûleur de gomme. A tout de suite. Bon là ça y est là, on est bientôt prêt, on va y aller. Mais je voulais juste vous présenter un peu le véhicule avec lequel on est venu. Un petit DS7. Franchement ça fait le taf. C'est un petit hybride là, ça marche, c'est sympa. Ouais, il est bien optionné, hein. Toit panoramique, bon, boîte auto, écran 3D, du cuir, du gros plastique. Les boutons ils sont sympas. Et il y a un truc, le petit gadget, hein, normalement. Ça fonctionne pas? Non, bah non, ça fonctionne pas. Bon, bah. Une fois sur 2. Mais il est sympa, hein. Après, quand j'ai vu le prix du machin, je me suis dit, ah ouais, quand même. Non. Non, non. Je peux pas. Je peux pas. Le prix? Non. Non. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, il est hors de question. Allez, on se retrouve au brûleur de gomme. À toutes. Heureux les amis, ça y est. Me voilà arrivé. Comme vous pouvez voir derrière moi, le Raidillon. C'est impressionnant, ça y est, on y est, bel et bien sur le circuit de Spa-Francorchamps pour le brûleur de gomme. C'est impressionnant de le voir en vrai.
Ouais, ça me met une claque. Combien de fois je suis tourné sur ce circuit-là dans les jeux vidéo, que ce soit Gran Turismo ou Assetto Corsa. Et là, de le voir en vrai, c'est magnifique. Oh là 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 là. Ah, ça fait un petit truc, hein. La journée s'annonce d'être longue, 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 longue. Mais bon, tranquille. On va faire un tour. Vous allez faire un tour avec moi. Là, on est en train de prendre la température. Ça y est, maintenant, on y est. C'est parti. Bienvenue au Board de Gomme 2024. Hein. La première pour moi. Dès que je suis en événement, les gens me cassent les couilles. Petit testé. Je les petits kiffs, hein. Ça j'aime bien, je kiffe. Dédicace à Papa Dog, dédicace à Fab, le frérot. On continue? Oh, la MX5, elle est phénoménale. Avec cette couleur. Magnifique. Franchement, elle est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez de la petite Mazda là, comme ça. Allez, on continue. Elle va les décimer toutes. Mais d'abord, il va falloir que tu ailles banquer entre 10 et 15 000. Ou 10 ou 20 000. À choisir celle-là ou celle-là. Ah, moi je prends la crise. La verte elle est pas mal, hein. Elle est jolie sur l'intérieur. Hein. Pas mal. BM. Là il y a une petite 350Z qui nous fait de l'œil. Dans une configuration magnifique. Posée au sol. Et le petit détail qui tue. De frein Twix. Juste à côté vous avez GT86. Franchement ouais, avec un kit Liberty Walk magnifique. Ouais. Ah, les Japonais c'est quelque chose, hein. Et là encore, on a une autre 350Z. Dédicace à les potos qui sont fans de japonaise, et même à vous les abonnés, vous qui êtes fans de japonaise. Et ça, j'aimerais trop essayer. Si un jour je peux en filmer une, en essayer une. Ah ouais, j'adorerais. On continue le tour. Bon, là maintenant on passe au plat principal. Vous avez vu? On commence. Une jolie MK1, magnifique dans son jus.
bien restauré, mais l'intérieur est magnifique. Il est magnifique. Ah ouais, elle m'a tapé dans l'œil celle-ci. Hein. Le plus du spectacle aussi restera sa B-moteur. Petite dédicace à toi, Fab. Et là, juste à côté, une belle MK2. Je sais pas d'ailleurs si vous m'entendez bien au micro. Mais voilà, j'essaie de forcer un peu sur la voix, même si on se l'est donné hier très fort à crier dans tous les sens hier soir. Et à rigoler. Je suis un peu fatigué, j'ai très peu dormi. Et sincèrement, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à la MK2 et la MK1. La rouge ou la bleue? Allez, deux, elles m'ont tapé dans l'œil. Allez, on continue. Donc là, on est du côté exposant. Vous avez le stand de la boiserie ici. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a UJ Motors. Julien d'UJ Motors. Ah là, ça va être du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Là, ça va faire mal aux oreilles. Hey, Connor. Sincèrement, je sais même plus où donner la tête. Dans tous les sens, il y a tellement de trucs. Je sais même pas. Là, je suis du côté paddock. Franchement, je tombais sur une voiture de dingue. Elle est magnifique. Carbone. Kit Liberty Walk. Intérieur cuir blanc. Elle est magnifique. Ah ouais, c'est osé, hein. Sur une F430, hein. Et franchement, magnifique. Le rendu est magnifique. Ouais. Dites-moi, j'aimerais bien avoir votre avis. Faites-moi des commentaires par rapport à ce véhicule-là. Là. Magnifique. On continue? D'ailleurs, j'aimerais rajouter aussi une chose. Je vais essayer de vous faire... Ah, il passe très fort. Je vais essayer de vous filmer ce que je peux. Mais bon, s'il y a des véhicules qui me tapent dans l'œil, je vous les filmerai. Sinon, bah voilà quoi, il y a trop de choses. Je sais même pas où donner de la tête. Il me parle ce Jeep. Il me parle beaucoup ce Jeep, Tams. Il me parle beaucoup ce Jeep. Ouais, il est pas mal. Hein. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça fait plaisir de te revoir. Tiens, regarde, c'est qui roule. Ah bah tiens, est-ce qu'il est là, hein? Content de te revoir ici. Bah moi aussi et toi? Ça a été? T'es venu de la région parisienne nous voir, c'est ça? Exactement, ouais. J'ai vu ta petite story hier. J'étais... Moi je te regarde à travers tes stories sur Insta. C'est vrai? Ah ouais, c'est... ça me fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Tu vas partout, tu bouges partout. C'était beau là, la Laponie. Ah magnifique, les aurores boréales à la fin là, c'était magnifique. Ah on a galéré là. On n'allait pas en voir. Je vous mettrai dans la description ses réseaux sociaux. Allez le suivre.
Ça va, pas trop décalé avec le décalage horaire? Non, il n'y a pas de décalage horaire. Ah ouais? Pas de soucis. Ouais, je l'ai rencontré l'année dernière sur la station service près de chez moi. Et c'est là que j'ai su qu'il était. Et puis voilà, mais je vous mettrai dans la description ses réseaux sociaux. Et franchement, ses vidéos sont magnifiques, magnifiques. Et il bouge partout. Ouais. Allez le suivre. Et pousse, pousse. Ah bah ouais, c'est la première fois je pense que tu t'es croisé sur une aire d'autoroute. Exactement, c'est ce que je viens de dire. De France. Ouais, t'étais avec ton fils. T'étais venu me voir sur une aire d'autoroute. Bah à côté de Disney, à côté de Chelsea. C'est ça exactement. Bonjour Beu. C'est tout beau là. Tout va bien? Ça va? Ouais. C'est tout beau là. Ouais. Bon allez, je vais continuer mon tour, je vais recevoir tout à l'heure. Ça va, je passe. Merci beaucoup là. À tout à l'heure. De rien, ciao. Magnifique. Ah ouais. Et aujourd'hui, et même au cours de la veille, j'étais en train de lui envoyer un message. Et je lui dis, quand est-ce que tu es au GDB? Il me dit, ouais, je serai à telle et telle heure. Et du coup, je lui ai dit, bah, je passerai. Là, je passe en couvent, mais je pense que au cours de l'après-midi, je repasserai encore le voir. Allez, on continue le petit tour. Donc là, il y a eu un drapeau rouge. Et là, les véhicules sont rentrés au stand. Et là, c'est magnifique. Dédicace à toi, Matt. Et le gang des BM. La panthère rose. Tarant, 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 tarant. Ouais, le brûleur de gomme. Dans tous les cas, au cours de la vidéo, je vais essayer de faire quelques plans de véhicules. Comme je vous ai dit tout à l'heure, précédemment, c'est un véhicule qui m'a tapé dans l'œil. Je vais pas tout vous montrer, sinon la vidéo va durer une heure, deux heures, trois heures. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. J'ai pu revoir Dams, que je passerai après tout à l'heure le voir. Et puis, j'ai aussi encore une petite surprise au cours de la vidéo qui va sûrement vous plaire. Allez, on continue le tour. Alors, comme je vous disais, si je trouve un véhicule qui me plaît, je pourrais vous le filmer vite fait rapidement. Voilà. Quand vous voyez ça, RB26. Ça veut tout dire. Magnifique. Oh là là. Tout est parfait. La couleur, les jantes, la configuration. Magnifique. Après, ils veulent qu'on roule en électrique? Jamais de la vie. Non, c'est super beau. Une grosse dédicace à mes deux amoureux que j'aime bien aussi. Andrea, Robin, magnifique. Allez, on continue. Alors, quand je vous ai dit que s'il y a un véhicule qui me tape dans l'œil, ben voilà, ben je vais vous montrer. Une Toyota Yaris GR, bodybuildée comme jamais. Elle allait passer entre les mains d'un sorcier. J'ai jamais vu une Toyota Yaris GR aussi large. Je vais voir le popotin, je vais pas montrer le popotin. Voilà. Elle a gagné au moins 40 cm des deux côtés. C'est du n'importe quoi, mais elle est magnifique. Et le coup, petit style magnifique. Je vais avoir sa miniature aussi. 1,18. Et là, grosse dédicace à mon frérot Juju.
300 GTI. Mais large, 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 large. C'est du n'importe quoi. Allez, on continue. Je suis tombé sur une voiture qui m'est chère à mon cœur. La Dodge Viper GTS. Avec son V10. Moi je pense que c'est une expérience de vie en fait. Quand tu vois ça là, quand tu vois la gueule que ça. Ah ouais, la voiture chère à mon cœur, la Dodge Viper. Oh là 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 là. Et encore hein. Je suis comme un enfant, entouré que de Dodge Viper. Je suis un gosse, que des Dodge Viper. Et là, on a une magnifique STO. Huracan STO. C'est bon, on sait à qui ça appartient ce véhicule. Allez, on continue le tour. Magnifique. Spécial dédicace au Porschiste. Porsche Cayman. Je n'ai rien à dire. Je suis pas porchiste, hein, mais punaise. Désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais la sellerie, magnifique. La plancha. La ducktail. Sortie d'échappement. Mais elle a un cul. On va faire tourner des têtes. Désolé, je suis vulgaire, mais. Par contre, j'avoue, tu touches la roue, tu plies la jante là, non. Franchement, elle est magnifique. Carrément, 4 litres. Ah, non. Je crois que c'est un de mes coups de cœur vraiment réels du brûleur de gamme. Franchement, allez, on continue le tour. Bon, là, on est dans un endroit. C'est simple. Des initiales. C'est bon? Ça vous parle? Ok, venez avec moi. On va prendre de la hauteur, de la hauteur. Le créateur de RWB. Bon là il est caché mais on va essayer de l'avoir. On attend encore un peu. Je vous reprends. On va essayer de l'avoir, il est là.
en exclusivité au Brûleur de Gomme 2024. Au Brûleur de Gomme, tu croises même des gens, tu te dis c'est même pas sûr qu'il était là. Je vous mettrai dans la description son Instagram. On se passe tout à l'heure. Ciao, ciao. Vas-y. On continue. Pitline magnifique, une vraie pitline. Subaru Impreza, Lamborghini Huracan STO, Golf 7R, Nissan Skyline GTR R34, BMW M3, et puis bah ça tout le monde connaît. Ah, pas fini. Pour notre génération. Un taxi blanc à grande vitesse et là renverse mon radar. Eh ouais. Et une jolie NSX à côté, le paradoxe. NSX. Le taxi 2. Allez, on continue le tour. Les gars, magnifique. Magnifique. Mercedes 722. Oh là 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 là. Elle est magnifique. C'est sur place de quoi ça? Elle a fait la légende des 24 heures du Mans à son époque. Et le paradoxe, la vieille école et la nouvelle école. Vieille école. Même si toutefois la nouvelle école est bien, hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. Mais ça là, c'est quelque chose. Ferrari. Voilà, une culture de plus. C'est vraiment le vrai paradoxe. Là, on voit la vieille école. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Plutôt Mercedes 722 ou la Ferrari. D'ailleurs, je ne connais pas le modèle. Mais m'en voulez pas trop. Mais magnifique. Disque frein céramique à l'avant, à l'arrière. GTB. Ouais, sympa. Allez, on continue le tour. Bon. Il y a un truc là, devant moi. Et même le monsieur à côté, il peut confirmer, c'est du n'importe quoi. Il m'a dit quoi? C'est pire que... C'est pire que Roof. C'est pire que Roof. F. Est-ce que je dois vous en dire plus? Ta Porsche. Après ta Ruf. Et dis-toi, quand déjà Porsche ça marche fort, Ruf ça marche très 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 fort. Et puis bah 9FF, ça c'est pour s'envoler.
Il n'y a rien à rajouter. Allez, on continue. Bon. Encore un autre véhicule emblématique qui m'est cher à mon cœur. Ford Escort Cosworth. Magnifique. C'est vraiment fou. Ces voitures-là, là, elle a fait très mal à l'époque quand elle est arrivée en double versée en rallye. Qui d'ailleurs aussi le regrettait Ken Block, en avait une aussi. Préparée, mais de fou. Ouais. Ça, c'est une valeur sûre. C'est la cam de fou. Et puis on a un petit frérilège de Miata. Oh là 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 là. Que des Miata, voilà, il n'y a que des Miata, voilà. Ça, c'est la classe. Allez, je continue mon tour et je pense que je vais aller, ouh, voilà. By RWB, c'est bon, ça veut tout dire ça. RWB, non pas encore, non, ça oui, RWB. Ça c'est beau. C'est beau. Je t'ai pris en plaque. Bon allez, je vais me faire un petit tour du côté du drift. On se retrouve là-bas. Le brûleur de gomme aussi, qu'est-ce que c'est? C'est aussi ça. C'est là que ça prend tout son sens, le nom du rasso, les brûleurs de gomme. Franchement, pas mal. Et après, il y aura les voitures. A tout de suite. Et maintenant, les voitures. Brûleur de gomme. Là, ils sont juste en train de faire monter la température des pneus. C'est magnifique, très fort.
cul. J'espère que ça vous plaît, un maximum de commentaires et des pouces bleus. Vraiment, c'est là que tout prend son sens. Le brûleur de gomme, c'est là vraiment que tout prend son sens. Beaucoup de fumée. Ça y est, spectacle terminé. Franchement, magnifique. J'espère que ça vous a plu. Un maximum de commentaires et des pouces bleus. Et dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Allez, on continue le tour. J'étais en train de me balader juste après le spectacle de drift et je suis tombé sur une belle Sylvia. S15, je crois, c'est ça. De mémoire. Je sais pas si vous m'entendez bien. Elle est magnifique. Sa couleur est... C'est du genre décor. Sincèrement, elle est magnifique. Franchement, j'étais en train de me balader, hein. Je la voyais comme ça. Je me dis, putain, j'avais envie de la filmer. Franchement, ouais. Je vais la changer. Ouais. Petite caisse comme ça là, sympa, franchement. Et en plus, elle était cachée. Hein. Franchement, pas mal. Allez, on continue encore la journée. Je suis un peu fatigué. Parce que j'ai pas dormi de la nuit. Allez, on continue. Bon, les amis, il y a un truc que j'ai vu tout à l'heure, c'est un ovni. Alors, âme sensible, s'abstenir de regarder. Grand passionné de BMistes. Pour les grands BMI, c'est grand passionné, tout comme moi. Alors, c'est une BMW Z4. Avec la face avant. Des dernières séries 3. C'est cloté, hein. C'est un ovni, mais je l'ai vu tout à l'heure, mais... Voilà, quoi. Fallait le faire. C'est original. Perso, je le ferai pas, mais voilà. Les goûts, les couleurs, hein. Thank you.
Ouais. Je suis à côté d'un véhicule, d'une voiture en particulier, qui a marqué les générations. Je parle pour les plus anciens. Une voiture, franchement, je me tais et je vous laisse regarder. Pour les connaisseurs, c'est tout. MK2 G60 Rallye, la taille du turbo. Le turbo, c'est je sais pas ce que c'est un truc de fou. Elle est dans un état magnifique. Golf 7 R1, sincèrement. G60 Rallye en MK2, il n'y a pas photo. Ça, poubelle, je prends ça. Et je suis franc, transparent avec vous. Désolé s'il y a du reflet, mais non, elle est magnifique. Elle est magnifique. Avis aux amateurs et aux puristes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça, je valide. Je valide, elle est magnifique. Ah ouais, je suis dingue. Je suis dingue. Mais bon, allez, on continue la suite. Re les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est sur ce fameux virage, le raidillon de Spa que nous avons quitté. J'espère que les véhicules vous ont plu aussi. Je le répète encore, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, des pouces bleus, des commentaires et partager au maximum. En tout cas, moi, le brûleur de gomme 2024, c'est validé. Et on se dit au brûleur de gomme 2025. Allez, ciao et à bientôt.